Bonjour, c'est Congo News 24. Bande Koranga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu, nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RTS. Bande Koranga, soyez les bienvenus. Alors, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission avec Oye Yindi, Bandeko, divorce entre Failu et Moussito. Eza yako yinda, esi e yindi. Wana, premier, deuxième fille, na parti wana kaka. On va parler de Kabound, sollicite retransmission en direct ya procès na ye. Kabound a nommé procès na ye. Aza na besoin, et le kana télévision nationale congolaise, Batubaland. Alors, bande Konanga, tous à la connecter, peut-être qu'on développe pas mon émission, là, je pense que, et monte déjà sur le dans le premier point. Deuxième point, chien, était le sétataire. Et Yindi, on va bien en mise au point. Le 1-23, obligé de se retirer des positions occupées, fin de l'aventure rwandaise. Donc, bah, comme une pression, bah, et si bango, Botika, Minduki, bo se retirer, wana bokozala na Nairobi bolanda DDRC parce que nzela musu ezate Nairobi eza po na DDRC alors bandeko bokoyoka na mission po eza ya kupila alors voisin maele sili toza la connecté peto ko développer mon émission na biso chez téléspectateurs émission na biso bandi comme d'habitude. Yep, ça, mon ingagno, sur place, aux a, était tango et coquille, auto sur l'ensemble, la situation politique en RDC. Premier point, bandeko, t'as qu'on divise en deux parties. T'as qu'on banda d'abord, na Jean-Marc Kabound. Après, t'as qu'on y a na Martin Failu, na Moussito. Jean-Marc Kabound, a zan a procédé le 17 octobre. Alors, a sengi, na, justice Nabiso était ezala retransmis en direct batuba yokai. Wana nde yasengi. Ande to comprendre pourquoi yasengi. Selon ye, azo monake, ya l'injustice. Azo monake, peut-être voan makambo yazo loba, ba mazo croire tout ça te. Donc, azana makambo akolo. Vous avez une transmission en direct, ça permet à vous de faire un bon outil. Vous avez un bon outil. Vous avez un bon outil. Et puis, vous avez un bon outil. Vous avez à 6 mois à perpétuité. Réduire. Alors, Jean-Marc Kabound Bandeko, vous avez un bon outil. A bébé si carrière politique naïe. Kabound ne sera pas dans cette position toujours mon élu. En gaz à la position aussi. Mais je ne sais pas. Ce qui est l'on est poussé qui est comment. Bandeko, Jean-Marc Kabound a kené beaucoup peut-être à l'année qui nous a été. Il y a ce mois directement échelon matin à niveau il y a parti politique. Au créer parti politique naïo, il fallait qu'à au souk à la parti politique naïo, au lié que au banakolo makamwe bili bili, menace au regretter. Donc, bateau à koutano batia kene erreur. L'oba ma be pour la fachi, l'oba ma be pour la moukonzi. Président de la République, Makambo Yolobaki, Tara. Question est de la démocratie. Soyez sûr, Bandeko, Nyonso Kolobana Mikro, et à la vérité. Soko Kosi, place où il y a problème et il y a Kayangouan. Oui, Oza libre. Mais Loba, où est la vérité. Ce qu'on te dit, Loba, Bisoto Otanga, ensemble, continuons à comprendre ma camionnette.
Il était devant la presse, Montigno Saïbi. Il y a des mots qui ont été utilisés, mais moi, ils ont vraiment déplacé. Il y a des mots qu'on ne peut pas supporter. À l'envers, Hachem Télita. Et sa propriété. Maintenant, Azo Senga, retransmission en direct. Totanga, Toyoka demande à Jean-Marc Kaboun, bon, toi avancer une émission. Kaboun sollicite la retransmission à la télévision de son audience prévue le 17 octobre. Jean-Marc Kaboun, par l'entremise de son avocat, conseille Maître Mavungu Mbouma Gabriel, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, a introduit une requête auprès de la Cour de cassation pour la médiation, la médiatisation de l'audience 17 octobre 2022. Dans sa correspondance adressée au premier président de la Cour de cassation, Maître Gabriel Mavungu évoque le filmage de l'audience, à défaut d'une retransmission en direct à la télévision. Nous avons l'honneur de vous adresser respectueusement la présente requête. En notre qualité de l'un des avocats conseil de l'honorable Jean-Marc Kaboun, à Kaboun, afin de solliciter comme les droits, l'autorisation de procéder au filmage, à défaut d'une retransmission radio-télévisée de l'audience du 17 octobre opposant notre client au ministère public. Ministère public a ébissé ma feignon soya l'oubaki. Ce qu'on l'inga salani. Et ça va. Et maintenant, sa femme, les sous-sous, aïe, Aekolubana Jekoko Moulumba. Et pas Jekoko, Makalube, pas Gérard Moulumba. De Mawa. Des insultes et tout ça. Alors, moi, si naïe, peine les acquis à ma case, mais qui tient, on a 6 mois, et puis, ma kateli amende. Alors, avant de continuer, Toyoka, peine ya madame Jean-Marc Kaboun, bon, on continue missionnaire. En justice, l'épouse de Jean-Marc Kaboun, Mikombe Kasongo, écope de 6 mois de servitude pénale pour imputation dommageable et injure publique. Le tribunal de paix de Kinshasa Matete a rendu son verdict hier vendredi à l'affaire qui opposait l'épouse de l'ancien premier vice-président du bureau de l'Assemblée nationale au vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Moulumba. Le tribunal de paix de Kinshasa Matete a jugé établi ses 2 préventions et non établi celle de fausse détresse ou trompeuse et dénonciation calomnieuse. Mikombe est également condamné à payer à Gérard Moulumba la somme de $5,000 américains à titre de dommages et intérêts. Bandeko Tolandi peine y a moins à Jean-Marc Kaboun contre Moulumba. Voilà contre Jekoko. Maintenant, bah, oh, bah, 4 télévisions Tolandi et ça peine à propriété. Alors. Si vous avez des dossiers à Jean-Marc Kaboun, ils ont tourné, ils ont quitté, ils ont été mis en place. Penati. Il avait sollicité la liberté provisoire. Mais, justice m'a ébissé que aucun n'a pas été ministre de l'Intérieur a conduit n'a pas été mis en place dans la résidence civile. Ba avocat ba insisté fois à randa kunai. Voilà. Et maintenant, Jean-Marc Kaboun, avocat n'a commis, était retransmission, ba sengi retransmission. En direct, au Yakogo Loban. Ba ébié. Akolo ma bemo boudou ma watu. Donc, Oyazo Senga le kandirek, et ça pour la vérité, ma kamba kangelie. Alingi, ba Congolais, ba Landa, Oya Koloba. Mais de toute façon, audience se place, ba journaliste, Moussou Bazalak. Ma kamte le kanamaka, le mot à reporter en haut, ne kolika. Il y a des médias où ba autorisé, ba kota akuna. Wane ko kite foka EDC mu mabalanda tribunal Jean-Marc Kaboun
Ce qui est moi, il a foutu à Ertin ça en direct. Voilà, il est mon con. Mais il n'a pas dit ça dans la lettre. La lettre est très claire. Que Azo sollicité filmage. Il y a procès à Jean-Marc Kaboun le 17 octobre. Il a ajouté encore, si possible, en direct, retransmission en direct à la télévision nationale congolaise. On a évité. Pourquoi signer les camps directs? C'est ça que c'est aux annonces d'émission. Pourquoi? Abonnez pas vous pensez sa réponse. Pourquoi il y a signé les camps directs? Qu'est-ce qui se passe au juste? La situation est zawana. Et c'est ça la peine d'un mawa. Ceux qui n'ont pas là, nabi. Ah! Qu'est-ce qui se passe au juste? Pourquoi? Chama Kabuna comme tina position à Zalilo. Il fallait au sein du parti politique Nayo. Vous fallait mais Chama Kabuna zabongote na monde va commenter avant de kubere. Tant on va kanga qui est va pesa qui. On va y bi. Babi ya zabongote. Alors que carrière politique au et kendaka na vitesse ya ngame mati. Il peut avoir des qualités, Moutani Azati. Tout ça, la démocratie. Yanga a posé candidature en 2023. Moutani Boy Azati. Mais est-ce qu'on a posé candidature? Il faut y aller à Banzelana. Nous avons vu Matata Mponyo, Asali, Ninaye, à lui qui a posé candidature en 2023. Moutani Okanga Azati. Moutani Osaza a droit. Bah, normalement, bah, c'est une assini, opposé candidature, n'a mais où est-ce que j'ai Jean-Marc Kaboun Maratou? Et encore, au-delà, moi c'est le sous des insultes. Voilà ma Kaboun Eliki, na Jiruko. Où est-ce que j'ai créé Jean-Marc Kaboun Maratou? Tout l'année, il y a un sou. Comment est-ce que j'ai créé? À sa condamné, donc, sans autant, Babylon, quoi, là, tout. Et ce, il y a le collage Jean-Marc Kaboun, et ce, ça, la propriété. Bato, baza, approche, naé, ami kita, nan. Ce, mon ami kita, alors, le dossier n'est malembe, conseil, c'est au pèse, abima, la prison, après, à son, en zéla, naé. Mouton, quand, en zéla, naé, dit. Toujours ma liberté provisoire. Après, ma commune libre. Si mon corps de justice est au bout. Alors, avant la kimatika, ma kamoua zo lukana est miné la retransmission en direct à la télévision congolaise. Wana conseil topesi. Nasu, bata parti na ye. Ba yo ki ba o conseil. Alors, tous les cas, na mate failu et mousi. Bandeko awe za somo, tiboko yoka x-ray. Don divorce total. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi batu a constaté que vraiment za divorce? Nami kole le kaki. Mujito se retiré de Marte Foyou. Alobi baza bata double face, makamuze bele tout ça. Et je crois bien reprochement Foyou, il n'y a pas Kabila et tout ça. Basana bango batumo. Na tozolo ba oyo bakomi. Selon Mousitu. Azomo na position Jean-Marc Kaboun ke nango pona ye parti na nouvelle élan ezabienti. A se retirer na ye na parti na ye parce que Mousitu azo posé candidature na 2023 peut-être vous connaissez, peut-être vous ne connaissez pas. Fayou nous a posé candidature en 2023. Donc, tout ça, la mouka 1, la mouka 2, donc, Bakabouani. La mouka 1, Katumbi, 2023. Donc, dans la mouka, tout ça, ma candidature à Goussalamati. Katumbi, Fayou, Mouzito. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi les gens ont remarqué qu'il y a les divorces? Jour à passation, que. Il y a tout à la mouka qui est dirigé pour tout ça.
Mais ils ne se sont pas présentés les deux. Ce sont les secrétaires généraux qui se sont présentés et échangés Lamuka et Nouvel Élan. Et Sid et Nouvel Élan, bon, yo maintenant, à papier, si Fayoulou a commis président, il y a Lamuka, Neba Salaka, tour à tour. Donc, et puis si maintenant, ma watro, oh, mais wapi Fayoulou, wap mon Sid, qu'est-ce qui se passe? Dans les divorces, c'est consommé, c'est fini. Bazaki ensemble. Bazaki quoi attaqué mon konzamboka. Bangonyo semibal. Sans exception. Balobi wana contre le président Félix. Mais président Félix, ça a bien abino. Atia ou l'homme a bien pour abinoté. Président Félix, atia ou l'homme a bien pour abinoté, bilomibal. Mais bino le mabé pour na ibo attaquer, ibo attaquer. Et qu'est-ce qui s'était passé? Maintenant, voilà. Na tawana fatia vani kakal. Kaba dossier ne yekuna zati. Kan. Des insultes. Ba no ba oyo wana. Et maintenant, voilà le temps. Ba kabon. Sokona. Ba Congolais to fungola misu. Babi loko yer mo ba no ba de musa, ola na bato ale ba théâtre. Oh botala. E ko zalo théâtre ou pas? Mais oyo ba mo ba sala ki ensemble. Ba sala ki bo moko. Ba zolo ma be. Mais lelo ba kabwani. Pourquoi ba kabwani? Ba réfléchi. Que Eza Bongoti. Totang, peut-on y avoir un divorce, Bongoto avancé les missionnaires. Dans le quotidien Forum des As, Mouzito Fayoulou, divorce presque consommé. Oyokaka presque consommé par Mibali. Selon ce journal, la cérémonie de passation des témoins entre les coordonnateurs entrant et sortant s'est terminé sans communiqué final ni procès verbal de carence. Basala Kayango, communiqué final ni procès verbal. C'est la preuve que les deux leaders de la Mouka ne sont presque plus ensemble. Écrit Forum des As aussi que la passation du pouvoir s'est déroulée en leur absence. S'il faut des divergences. Bozalaki bomoko. Bozo sfinga président Félix. Toza wapi. Mais mon koza mboka lingi nebino. Yaza anena problème moutite. Ndenga zaona. Bozo mone kaka vandi. Azo koma ba dossier. Président Félix kuna zati. Azana posete. EDC ouyu. Ekene liboso. Bandeko, et sa propriété. Pour que mon abattu quoi agir dans le niveau là. Et maintenant, et aux salabango bien, ils ne sont même pas présentés. Il n'y a aucun communiqué final. Mais alors qui? Le chef de l'État. Yewana. Chef de l'État Kounazati. Attends, on va dossier. Attends, on va dossier. On va dossier. Mais il y a bien à l'île. Facile à Zazan, il y a quand même un mot. Mais Bango Moko Bazo Potana. Tu le bac. Que Bango Bazo continue comme ça la fache. Et que bébé là-bas. Donc, Maratou. Alors, sans plus tarder, Toyoka divorce, bon, on continue, monsieur. Le quotidien Forum des As, Mouzito Fayoulou, divorce presque consommé. Selon ce journal, la cérémonie de passation de témoins entre les coordonnateurs, entrant et sortant, s'est terminée sans communiqué final ni procès verbal de carence.
C'est la preuve que les deux leaders de la Mouka ne sont presque plus ensemble, écrit Forum des As, qui note aussi que la passation des pouvoirs s'est déroulée en leur absence sur fond de divergence. Mouzito et Fayoulou s'étaient fait représenter par les secrétaires généraux de leurs partis respectifs, relèvent nos confrères. Chers téléspectateurs, nous avons suivi. Divorce presque consommé. Ils ne se sont même pas présentés. Il n'y a aucun communiqué final, il n'y a pas de signature, il n'y a rien. Comme l'emblème de Vassala qui a échangé, que je suis comme le président de la Bouina, donc je suis dans la Bouina. Il y a des gens qui sont dans la Bouina, qui ont parlé à plusieurs chemins. Ok. Voilà. Ninga zolo azala bino bien bino bozala sima kwa ko sala mabe po sala mabe. Ah, maintenant pourquoi bakabwani? C'est ça la question, batyo so kutu. Papa sa ibo mokoti. Pourquoi cette division? Est-ce ça théâtre? Point d'interrogation. Sans comprendre. La division est un œil que Bazo Wela n'a composé candidature en 2023. Tout ça la clé. Mate Fol Mingai m'a composé candidature en 2023. Mouzito Binga peine composé. Allez. Faut la sépérité. Faut la lingue à y est peut-être. Tout ça va prouver. Mais ce que nous voyons, parce que Mouzito a dit assez à l'obaki pour la candidature naïe. Faut le passer à l'obaki pour la candidature de Nakisangani. Moutamouda c'est à l'obaki. Et maintenant, comment ils vont procéder au sein de la Mouka avec trois candidatures à la présidence? Candidat à la présidence de 2023, la Mouka avec trois candidats. Puis, il y a un candidat qui a été mis en place. Moutamouda mais Bazaga a la Mouka. Katumbi ya lubaki ya lungwa ni tena la mukazana ye. Uzomona, mena bazana tuwa kandatu. Contre le président Félix Tshisekedi. Qu'est-ce qui va se passer? 2023 de makambu. Mutamuta bongsalibaya na ye. Meto kena mutema malamu. Bande ko dirije mboka. Ya wa lubaka nzambe mutapona. Soka zama ta mukili mutu wapona. Biso to sali election to chivawe. To opona mutu bui. Tamo biso nyos to poni mutu wana ba chiyi. Nzambi muta chiyi. Me ba kriteri piti. Makamusu to zomona oyu. Uko dirishi mbo kandini. Soki boza batu boza na ba en. Ba problema mitema. Don. Bo dirishi mbo kumala mute bandiko. RDC tonto tonga, RDC moko a cohésion nationale. Mais pourquoi cohésion les osalamate? Parce que bah, quelques groupes là, au bloc patriotique, namakamu est important, est on n'en parle pas ensemble. Bloc patriotique, problème là bas, on y est, c'est un FCC, problème là moko ka 2023. Les amis, tout est la 2023-2023. Mais entre temps, nous avons un grand dossier à l'Est. La vérité, c'est le Maroc. Et ça va voir. Et maintenant, les 1-23 et l'armée rwandaise m'ont commis un problème. Bon, comprendre kaka batouana. On va supporter le processus à Nairobi. Il y a des gens qui ont été déposés. Mais à condition de déposer ma arme. Mais tout ça, il y a un apport. Et ça, c'est un bon moment. Alors. Mais il y a un dossier où il y a élection. Pourquoi pas, Mouzito? Il y a travaillé avec l'ex-président Kabila. Bosangali binonyo samate folo pam 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 ali. Bobeti fati porko bokuye fati oyambi binobotuniye.
Bosoli na président. Pourquoi pas? Ngara yemo konza mboka. Asa bien. Awayambana e. Bosoli pi. Mais pourquoi pas? Bosola masulu ou yomboka la bise sa la problème. Les mêmes katumbi. Baza la même kaka situation. Bango a kabwani, katumbi kuna pe a kabwani. Enza menanga. O malwa bwagi nzela mogo bino nyosu bozo palangana kaka. Kote a katumbi kuna pe, bande ko problème. Les députés a zakira mwoso ki so angis, at 40 don, depute so atika la 40, 30 ont quitté, une trentaine. Bah quitté. Katumbi, mawato. Comment tu peux avancer mboka kou? Non, pas comme ça. Ma kamwa zoye la bino na ba parti politique na bino. Peut-être la façon na bino. Pino vous amène na ba téléphone go bino konja mboka. Mais ils ne le feront pas. Pour la bango, peuple a continué à couper la S. Il y a des fautes en Konzamboka. Il y a gagné l'élection en 2023. Il y a gagné l'élection en Niyama Kilati. Parce que vous avez kuna. Yo yebi que Europe s'appelle Europe 1 plus dans la cohésion nationale. Il y a un félicité Jean-Pierre Bemba. D'accord. Jean-Pierre Bemba, c'est le vrai boulot dans le calme. C'est Kimia. Ami qui est ici. Aïebi. Sur le binôme, c'est quoi Jean-Pierre Bemba? Tu as avancé un peu. Pas de binôme sacré. Jean-Pierre Bemba qui? Ma solo, ma solo. Bah, ça n'a besoin. Un peu de binôme. Mais va me sauter leur position à côté. Alors, bandeko, bota la situation toi nango. Mena to la libiso nyonso. Mosito e failu se konsoli ici là. Alors, bandeko nangai. C'est à ce point to tiki point oyo to komo kene na point na biso. Oyo ya. Oyo yindi ya le M20. Bandeko point oyo. Makambu oyo ndenge zo kende voisin zana problème sérieux. Les stratégies de son excellence zako marche. Ebisa kibino ne mission oiliki. Ete makambu oyo soki ba voisin parce que bango bazo mona kaki voilà. Bango la bango. Bah, occupé Bounagana et tout ça. Entre temps, comme ça, Mikolo et les kaki. Et Bele Bayoka, mon qui n'a réseaux sociaux. Il y avait ex, dont Aza, mon tout Aza, dans le baki. Asset, à côté de la retraite, dans l'armée kenyane. Article Mouroui Bimaki, et son commentaire sur les réseaux sociaux, qui est armée à Kenya, va occuper. Bunda jamais contre un 23 et pas dans les réseaux sociaux. Mais tu as la vérité en haut. Mandataire à chef de l'État. A Kendaki. Bakutana. Oyouan batuni autorité à armée à Kenya. Moumalouba oyouti wapi. Balandi liango. Babiesa l'okuta. Bande qu'on a réseaux sociaux de tika l'okuta. Que oh, voilà un 23 armé qui n'a jamais quoi attaqué. Ben. Et Bimaki n'a qu'il n'y a Rwanda. Va changer en France. Va Rwandais. Moutouan ça va tricouan. Bande qu'on a du message en dingouan. Vérifiez. Allez, m'bala mokoti. Bazo créer ma kambou ba Rwanda passe ma commune na souk. Bazo belo au sel boy ba ka kabo a pi tumba ka sala ma bo biso ka to gagner to keti goma to sala bo to sala. Pou ba on va ib ka fa desi wana ya kala. Ndo ni fa desi to sala yo pou sa problème. Na mo konja sika kotina ya chef d'état major. Alors,
Maintenant que c'était passé, message tamboli partout, et tiens, moral à Congolais, mon goût. Armée qui n'est pas zouïa. Mais bah quoi, attaquer un 23, t'es comment? Ande quoi, armée qui n'est pas zouïa qui t'a. Et ça, quand même, armée, bah, blon, à bango, bah, matériel, là, moi. Ils ne sont pas encore là. La force régionale est sponsorisée par les Nations Unies, l'Union Européenne, les États-Unis, les États-Unis. Il y a un supporter la force régionale pour éradiquer le groupe armé à l'Est. Nous sommes là. Et maintenant, les M23 ont commis un problème. Il y a un moment qui a créé un peu de temps pour être en train de pression, faire des attaques. Nous avons fait un processus. Le mandataire chef de l'État, c'est Tchibango, à sa interview, dans la radio Okapi. Il a tout dit. Et belle pose, les interviews sont en train de se faire. Mais il y a un excès pour le faire. Son goal est bien. Qui a aidé Congo à la télévision. Ou que l'Anda va comme bien la mille à son émission ici. Bandeko, et ça qui m'a comme le coup. Un 23, comme il y a un problème, tout le monde a un problème, ce sont des années à titre. Bango va se retirer dans la position de Bango. Déposer les armes, va quitter le territoire occupé. Apprenez, va quitter la Nairobi. Na Nairobi tozaka na nzela moko DDRC. Il n'y a pas de dialogue avec les M23. Ba Congolais to comprendre Nairobi. Le pour parler de Nairobi kurape ezate ko ba négocier na ba groupe armé ti. Papa zo kabana nai. Il n'y a rien. Motif ni ba kota ki samba tout ça. Mais déposer les armes. Alors, les M23 menaces à exposer n'est pas ma force régionale, n'a comportement n'a pas tout mal axé par atrocité ni son massacre. Et maintenant, entre bon pour le moment, basan va discussion entre président Rwanda, n'a mouillé mon poyer mon colomasso n'a pas tout ça en démission. Tout ce qu'a bakar, ma arme et tout qui n'est qu'à basan a problème. La force boyoka que la force wana est sponsorisée la Union européenne tu vas commencer à pressionner le colon ya président ya Rwanda que bangonyo so batika ba arm bakendi na processus ya Nairobi diango bozo mona ta union so to ko attaquer ba mukoni non nous sommes prêts faire des azur bongama to za na chef d'état major assis. Toyoka, c'est tu bon, comme extrême qui, pour a tout ce qu'on qui, mais son moyen comme on l'a eu dans go, qui n'est pas aidé Congo va sans la télévision. Processus de Nairobi, le M23 ne sera admis aux considérations qu'après son retrait de position occupée. Le mandataire spécial du chef de l'État, professeur Serge Tshibango, a affirmé jeudi, 13 octobre, que la rébellion du M23 ne pourra être de nouveau admis au processus de Nairobi qu'à condition de se retirer de toutes ses positions actuelles, notamment Bunagana et toutes les localités de ce mouvement rebelle occupé depuis 4 mois. Il a fait cette déclaration au cours de l'émission Dialogue entre Congolais de Radio Okapi, où il abordait la question de la reprise prochaine du processus de Nairobi. Il s'agit de consultations engagées par le gouvernement avec les groupes armés qui occupent l'Est de la RDC. Les M23 soutenus par le Rwanda s'exposent à la puissance de feu de FARDC et de la force régionale des pays de l'Afrique de l'Est qui est en train de se déployer dans l'Est de la RDC, a déclaré le mandataire spécial du chef de l'État. Et l'Obi Serge Tshibango et l'Obi Fachi. Serge Tshibango exclut entre-temps toute forme de négociation avec ce mouvement rebelle. Alors, Toyoka, bon, on continue, monsieur.
Vous avez annoncé la reprise dans les prochains jours du processus de Nairobi. Est-ce qu'on peut avoir une date exacte de la reprise des travaux? Je crois que vous serez informé, madame, sur la date exacte, mais comme vous le savez, je crois que on vous l'a informé. Je reviens aujourd'hui même de Nairobi parce qu'il fallait se concerter avec celui qui a été désigné dernièrement le facilitateur, l'ancien président Uhuru Kenyatta, n'est-ce pas, ainsi que mon homologue et envoyé spécial de la partie kenyane, l'ambassadeur Macharia. Donc nous avons eu quelques séances de travail pour justement préparer une feuille de route qui doit être soumise d'abord au chef d'État de la région, y compris notre président, son excellence le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis après, la prochaine étape sera donc de pouvoir rencontrer les groupes armés, ok, qui font partie du processus, et leur passer le message concret sur le comment ou qu'est-ce qu'ils doivent faire finalement pour déposer les armes et se faire démobiliser. Le M23 sera rappelé à la table des discussions. Si le M23 reprend ses positions qu'il avait, comme j'ai dit, le 23 avril à 11h du matin, et en plus, s'il quitte les localités qu'ils ont occupées, ok, et soit dit en passant, le M23 et M23, mais n'oubliez pas que le M23 aujourd'hui est soutenu par un pays voisin, notamment le Rwanda, qui agresse notre territoire, l'intégrité de notre territoire. Donc s'il décide de se retirer et aussi bien sûr de maintenir le cessez-le-feu, pourquoi pas? Le M23 aujourd'hui demande des discussions directes avec le gouvernement congolais parce que ils estiment que ils sont les premiers concernés dans ce conflit, dans cette question d'insécurité dans l'est de la RDC, et non le pays comme le Rwanda, l'Ouganda, avec qui la RDC voudrait avoir des pourparlers. Madame, deux choses. Premièrement, je ne suis pas porte-parole du gouvernement, donc je ne peux pas parler au nom du gouvernement. Mais deuxième chose, je n'aimerais pas que cette émission soit taillée autour du M23, n'est-ce pas? Pour moi, je représente tout le processus de Nairobi avec tous ces groupes armés et les leaders de communautés. Mais la grande question aujourd'hui, c'est Bounagane à 4 mois aux mains des rebelles, M23, la population se pose beaucoup de questions, professeur. Alors, moi, en tant que facilitateur au niveau du processus de Nairobi, ce que je peux dire par rapport à Bounagane, c'est que le M23, soutenu par le Rwanda, qui déstabilise nos populations en les envoyant dans des forêts, certains en exil et certaines atrocités qu'ils sont en train de commettre, pour moi, le M23, qui est d'ailleurs qualifié par notre gouvernement de groupe terroriste, c'est déjà exposé à la force régionale qui, elle, est en train de se déployer. Et je pense que très bientôt, comme le chef de l'État l'a annoncé, je crois que le M23 s'expose à la puissance de feu de la force régionale et des FARDC. Donc il n'y aura pas de négociation avec l'M23. Bande Kotolandi Bisonios, Toyoki Wana. Ban groupe Oyo, Nebozo Monawana, ya force ya Afrique de l'Est. Bakoza la déployé. Et bateau bazan a problème sérieux. Parce que situation est en boulot pour la banque. Parce que ceux qui bayo kite, na yebite, bakoza la situation moko. Donc, mon boulot. Alors, déployons un bandeko. Il y a force régionale. Et ça problème pour la banque. Donc, bah, on faut que l'arme va déposer et puis va se retirer. Ceux qui va se retirer, alors, bah, ça n'a beaucoup de force régionale. Force régionale, bah, quoi, elle est quoi, bah, pende, bah, ça, bah, il va dire ça. Bah, on quitte, yam. Bah, il y a bien que tout ça a un problème sérieux. Parce que les forces régionales, bah, ça, wana, et ça, pona, été, est wana ezala sécurisé. Sotota na photo wana kala oyo Celestin Mbalaza wana parce que na place wana ekozala mena chiwewe obozomona akozala na place a Celestin Mbala nde bozomona wana na ba force régionale wana. Alors photo wana bozomona Celestin Mbala ezaya kala. Maintenant bango ba komi na problème. Mais puis, il y a des bruits, les gars qui ont voilà, armée kenyane et tout ça. Alors, tout le monde qui a développé. Bandeko,
va s'exposer par Momoko M23. Si tu as comme au boulot pour la il faut pas déposer, pas quitter ma territoire occupé. Pour pas kende, ma territoire en nion s'occupé. Alors, wanande, ma solo est bandi. Bande koto po sanati, ndere to tangi wana, bako zala frappé, na force ya farti ici, et les forces régionales, bah, qu'on a à côté, à Nord Kivu, déploiement de l'axe, quand on, qui, dans le Goma, et qu'on a à la fois des sénats armés kenyans. Bah, on me balle. Alors, bah, on s'est dirigé pour Naga. Donc, ils ont un problème maintenant. Voisin Maïe, les ciliés, les stratégies de Son Excellence, le président de la République, ça marche. Par les négociations à Bamoun et Toulandi, Bango ne faut pas compter la processus. Processus Oyo, et ça processus Moko, Boyebi toujours, na ba situation Tosanango, ba occidentaux, Ndeka Toulubaka, les intérêts et tout ça, Bango peut pas commettre la problème, basé ma position à président de la République. Il y a un chef qui a présent à l'ingimbokan à Bino, beaucoup de monde. Et puis, ma camusse est comme une souka. Et il y a un sou ma casse. Il y a un beau zombon à ma camusse qui est comme à l'est. Ah, mais il y a un sou ma casse. Et je commande à souka. Ben, de quoi qui vaut besoin d'une émission? Ituri. Boye ba été. Ba konzamboka ba zo travailler pour un dossier ouyo. Les M23 ba commis devant un fait accompli. Dernièrement, les missions et les gars qui sont au Landa, qui ne sont pas au Salakuna na Bunagana. Comment Uganda, frontière Uganda, les Apolele, baza na Bunagana, na ba M23, bazo sala les affaires. Et sa propriété pour la Uganda. Mais, Kuna, et Taliban. Mais, baye baye, ma kambo ezo komanasu. Le gouvernement a dit qu'il fallait comprendre qu'il fallait les arabes. Bino batu parce que tout le chef qui va être complice, ma Rwanda, communauté internationale et tout ça. Et maintenant, il va devant un problème. Je suis dit qu'il y a ma casse pour sombrer à Rwanda, ou pour pèser à Rwanda. Avec le bout de la soupe Bounagana. Je suis dit qu'il y a ça. Bon, mon athée. Nan limite ki bomba o resiste ti na suka nan dingi bazulu bara ba omikulu. Ba occidentaux bazwe sa woki botika ba argo ke na Nairobi. Tolani chibango, alui pourquoi pa? Soi bomba kite ba territoire okipi. Ba ito sola, far de sa zon la ba territoire na okipi, ba omba ya to sola. Ma sola, esi ke na o, nde mwona ba groupe armé? Mais pas de négociation. Bah, lui, une négociation a été baïa, baïo kabango, n'est toujours kaba groupe armé, après, bolé kina DDRC. DDRC n'est ma kambou place, c'est souksi maïe naba. Bah, konzi ba maïe le kote wana. Bah, tchaki dja, ogan mokweza wana, ke, pe DDRC, bokene kuna, à partir à kuna, bah, koye ba ne ba korienté bin. La question qu'on se pose, M23, oui. Bah, Sengi, bon, la question va tourner. M23, zo Senga, bon, solo. Ton solo, là, sur quoi? Pas ça va groupe terroriste, mais s'il dépose les armes, pourquoi pas? Nous avons bien, très bien suivi mandataire à chef de l'État, Serge Chibang. Problème de Zara, vous pèsez interne. La carte n'a pas besoin de son isolé. Les politiciens n'ont pas besoin de l'élection 2023. Élection 2023, tu as un problème, mon aîné. Tu as arrangé un mot. Tu as tourné la table. Tu as développé une situation où tu as un aîné à ça. Le groupe armé a un aîné à Nairobi.
So kena aide Congo ka ba kesho ba tuni pona ba groupe armé. To comprendre to ele mbe information ki to kona ba chaîne nyo so mi bali. Oya oyo ki vraiment solo, okena aide Congo ya fumo s'abonner na chaîne wana bandiko. Aide Congo ba sa télévision, s'abonner na ngo. Parce kuna okozali solo moko mulembe awa to débattre, to kati, to solo li to débattre awa. Mais kuno ko landango pena mbimba. Bota la situation oyo bandeko. Mena parlons mena ya arrivé à Chiwewe. Na ba force régionale muta sikaye kote na biso. Mena makambo koma différent. So makambo ele ka clair te ona Chiwewe sa akundima pe amoti. Passa tu vois ça nationaliste aligné mboka nae batona ba kosuka na ba ba fosse ba koma na l'air mon passe ngala bossa manu bate no na repela mina be mission c'est que Kabuya avait dit que le président Kagame ne connaît pas le président Félix Tshisekedi. Le président Kagame est en face de lui un président, un grand stratège. Na ba stratégie bazo ke nango a okoma na problème sérieux présent en Rwanda. Pe asa koma dia ba problème déjà. Botala. Bolanda ki na mission passé. Le général angolais aye. Mais bele tout ça oye bata oye kaya. Ye wana. A osi basé na Goma. Mais général angolais. Azo si be mécanisme à vérification. Azotala ben infiltration ba Rwanda na EDC. Passe bomba wangana. C'est pour ce moment n'est pas wapi voisin ça exposé. Rwanda baza na problème sérieux, moto ba traité na yaza ba stratégie makasi. Voilà le problème. Bandeko mboko kuzaka ka boiti. Même le général angolais le biki ba potentialité to zalango il fallait to bénéficier en gros aider ces bato ko continuer ko souffrir boité yé à lobby à travers ministre affaires étrangères angolais so yoka ganté kene mission le ki yoka oyoka maloba nayi mboke jo ezala venir me bali ko tika so tenté to s'organiser mais fait de fin ba ko tika. Bah on va tout bondi tout forcer tout limbi la biso tout tiki la biso eh boutique alors aux hommes on a sauté au terrain la biloko ana mboka ezo ke la direction a bien mettre biso moko alors maintenant Chiwewe a continué poste à Bani Musala et l'or a congolais va s'inquiéter qu'à bon c'est la biso armé ne coupe armé mon puissant va recruter batu va mettre sa bango salaire tout l'embatte qu'on le bango. Sauf que comme on a une répétition, comme un salaire à $500 et vous ça là bien. Donc matin, on a mis un. Mais si vous pensez que l'armée a mis $500 et vous avez la propre, vous ne pouvez pas vivre quand même. Et vous avez la vraie. Fardé, c'est bendé le coup et tout ça, si vous avez la. Donc vous avez un gouvernement qui a mis un salaire. Vous avez mis un petit coup de mission. Armée on a comme la salaire mon roi qui tombe. Pour réduire ma kamoussou parce que le salo programme à 145 territoires. Mais il faut ba territoire en moins à bien intégrité territoriale les ala. Ba frontière ou les ala ba armée ma casse na ba frontière. Si tu à l'est et pas tous menacés. Tous ala qui menacés pe na mikoye le gang de Zambie. Partout plat tous menacés. Na sud ou Bangui na Centrafrique. Il y a des Rwandais qui ont une mission à l'ONU. Tout cela, tous ont besoin. Il y a armée à ma casse. Mais tous ont armée à ma casse. Il y a une loi de programmation militaire. Il y a des termes qui sont évités. Tu évites ce que tu as un salaire à ma soude. Mais ce que tu as quitté, il y a un salaire. 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 Ce sont des vaillants soldats. Et même le président de la République l'avait dit.
nous avons des vaillants soldats. On va défendre l'intérêt de Tambo. Et c'est tout ce que je dis, jeune Timoué, Nassimana Bango, je suis bien. Mais ils ne sont pas prêts à avoir une provision. Où est-ce qu'ils sont? Il y a un problème tout ça qui est en train de se faire. Mais il y a un changement de mentalité. Pourquoi tout ça n'est pas bon? Bon, moi, les cas où on a les réseaux sociaux, aux armées kenyanes, va qu'on s'attaque na M23. Et ça m'a comment le coup d'arrêt? Quel est qu'on a aidé Congo va s'envoyer qu'on va expliquer au pénal bien que ça m'a comment le coup d'arrêt? Ils ont déstabilisé beaucoup. Alors, va congolais, tout récupérer est et puis tout ça assurer que tout soit en haut. Bende le koyate, bisonyo so sima ya FARDC, ete et longue zala. C'est à ce point, de comment clôturer mission, bo s'abonner massivement, bo continuer à partager. Au revoir, à la prochaine.